Bonjour les amis, nous revoilà pour une toute nouvelle vidéo chez Myriam, car elle nous a recontacté pour venir purifier cette fameuse cave. En même temps, nous avons décidé de tester notre nouveau jouet, c'est-à-dire la Kinette. En même temps, je vous avertis que Myriam nous a demandé de flouter son ancien compagnon dans cette vidéo. Et également vous prévenir que pour les commentaires, tous les mauvais commentaires seront effacés et tous les commentaires de toute façon seront filtrés. Les amis, je vous souhaite un très très bon visionnage, à très très bientôt. Et ben voilà, nous revoilà chez Myriam et Jean pour déjà en première partie de faire un petit débrief de ce qui s'est passé quand on est venu la première fois. Et alors Myriam expliquera ce qui s'est passé durant la période après la première enquête. Bonjour Myriam. Bonjour Philippe. Bonjour Jean. Bonjour Philippe. Est-ce que ça va? Ça va, oui. Est-ce que vous avez encore eu des choses après notre passage? Pendant 15 jours, oui, 15 jours, tranquille. Mais, j'ai dit à Jean, il y a encore un petit quelque chose. Et ça, ça s'avérait vrai, parce que quand je suis sortie, tant que je ne me trompe pas, quand je suis sortie pour aller voir ma fille, oui. J'ai claqué la porte de la cave en disant, bon, maintenant... Tu vas me foutre la paix. J'ai claqué la porte. Je pars vers la sortie pour dire de partir. La sortie. Et j'entends la porte, paf, claquer. Et une femme qui parlait, mais la même chose que moi. Elle a répété la même chose que moi. Je me suis retournée. Je m'avance. Il n'y avait personne. Il n'y avait vraiment personne. Je vous promets, il n'y avait personne. Je ne suis pas parano. Hein. Loin de là, il n'y avait personne. J'ai regardé dehors s'il y avait les gens. Enfin, il n'y avait rien. Ouais. Donc, je rentre, je le dis à Jean, mais Jean, il dit, Jean, il dit qu'il ne sent plus rien et tout. Et je dis, mais je te le dis quand même. Un soir, donc, je monte pour aller me rafraîchir et tout. Et Jean était, tu étais en bas en train de fumer. La porte de la salle de bain, je ne l'avais pas fermée. Elle était, parce que je la laisse un trou ouverte, hein, parce qu'il y a toujours malgré tout une petite sensation comme j'ai eu peur avec la porte de la cave. Ouais. L'a-t-il pas que la porte, donc j'en fumais à la fenêtre. La porte de la salle de bain a fait clac. Elle s'est refermée sur moi. T'avais pas ou il n'y avait pas une fenêtre ouverte, Il n'y a pas de courant d'air en haut. Il n'y avait pas de fenêtre ouverte en bas. Mais j'en fumais en bas, la fenêtre ouverte, mais elle était ouverte depuis un moment. Donc la porte, elle aurait claqué. Ouais, elle aurait dû claquer avant. Directement, ouais. Tu comprends? Ouais, Elle aurait claqué directement. Mais à ce moment-là, quand j'ai pensé à ça, je sais plus... Je pense à la porte et je dis, j'espère qu'il ne va pas fermer la porte. Et c'est là que ça, paf, ça a claqué. La troisième chose, ben, j'ai rentré en contact avec toi hein, pour te le dire, je pense. Ouais. Voilà, on a communiqué et tout. Et tu m'as proposé, et c'est vrai que j'y avais pas pensé parce qu'avant je faisais l'écriture automatique, puis j'ai arrêté, hein, tu vois. Ouais. Et tu m'as dit, pourquoi tu n'essaierais pas de t'allonger et de prendre un papier. Ouais, même en pleine journée. Ben je l'ai faite. De t'assoupir, et voilà. Je l'ai faite et tout. Ça a répondu à des choses. Ça, je dirai après. Ça a répondu à des choses. Ouais, je suis un peu perdue, là. Mais je peux pas le dire maintenant, ça. Pourquoi? Ben, pour l'esprit négatif, le nom et tout, je peux pas le dire maintenant. Non. Non, 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 vaut mieux pas. Il faut nous laisser, on va travailler d'abord. D'accord, d'accord. On refera un débrief. Donc j'ai fait l'écriture automatique, j'ai fait ma prière avant, bien sûr, hein, tout, protection et tout. J'ai eu l'archange Michael,
J'ai eu la personne négative et ça s'est confirmé. Et après, on m'a parlé de la cave. Pas, comme je t'ai dit, Luigi, elle n'a pas été assez purifiée. Non, c'est vrai, elle n'a pas eu. Oui. Donc, quand j'ai fait ce que tu m'as dit, Philippe, l'homme négatif, oui, je le connais. Je pense qu'il est parti, grâce à toi. Je pense qu'il est parti. Mais je ne peux pas tout dire. Donc là, maintenant, hein, si je dis tout là maintenant, il vaut mieux attendre qu'il y ait... Non, vaut mieux garder ça pour après. Pour après. Parce que nous, on doit faire encore la spirit box, essayer de comprendre des trucs, aller dans la cave, voir ce qui se passe encore dans la cave, etc. etc. Donc, vaut mieux taire pour le moment, voilà, tes informations. Voilà. On verra ce qu'on a eu comme résultat. Et vu les résultats, à ce moment-là, tu t'expliqueras sur ce point-là. Et il s'est passé encore une chose. Donc, en sachant, avec l'entité, que je savais grâce à Fifi que j'ai fait ça, je suis descendue en bas, maintenant que je savais qui. Donc, j'étais plus forte que lui. Je suis descendue. Il y avait un pot en verre de yaourt, qui en aurait ça, là. Il était sur la table, je prends à boire. Pour montrer qu'il était là, ça a claqué sur la table. Clac, pour dire, je suis encore là. Mais, c'est pour l'aider. Ah, donc il cherche de l'aide. C'est pour l'aider, mais c'était par rapport à moi. Il y avait quelque chose par rapport à moi, mais ça, on verra. Je vous l'expliquerai. Oui, je vous l'expliquerai pourquoi. Je vous expliquerai pourquoi. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, si je comprends bien, ou alors c'est que je n'ai pas encore compris, l'entité négative, celle qui a fait les dégâts à ta veste, ça n'a rien à voir... Avec le propriétaire. Le propriétaire, le locataire. Le locataire. Marc, il est bien parti. Oui. Marc, il est bien parti. Oui. Mais la femme, elle n'est pas partie. D'accord. D'accord. Donc, je pense que c'est la femme qui a griffé mon manteau par jalousie. Et qui aurait griffé... Voilà. Ok. Par jalouse. Elle est jalouse. C'était une femme jalouse. D'accord. Donc, à revoir sur l'épisode... Je pense à... Épisode 1. Quand je suis dans la cave. Non, ça c'est la 2. Voir. Quand l'entité dit c'est moi, oui. c'est pas Marc, hein, c'est la femme. Hein. Il y a une voix de femme, mais, c'est sûr et certain. Mais la griffure, tu peux regarder, lui dit, il faut bien regarder, ça dit c'est moi. Mais c'est pas Marc qui l'a griffé, c'est la femme. D'accord. C'est la femme. On a vérifié. Donc et elle a jalousé. Et ma veste, c'est elle. C'est elle. D'accord, bon, on va voir ça. Il n'y a pas de souci. Mis à part tout ça, rien de normal. Ton humeur et tout ça. Non. Normal. Oui, oui. Toujours comme avant. Sceptique, pas sceptique. Douteux. Non, je vois, j'écoute Myriam, mais moi je ressens plus ce que je ressentais. Donc voilà. Toi, t'es tranquille alors. De ton côté, ça va. Mais moi, ça ne pourrait pas partir parce que, étant donné que j'ai la même diomnité en moi. Ah oui, ça c'est normal. C'est... Ah oui, tu vois, voilà. Tu viens à toi. Ouais, pour les aider et tout. Donc je ne peux pas. Les gens qui sont en deuil et tout ça. Tu auras toujours un pourcentage de ressenti. De ressenti pour dire. Mais tu ne seras plus embêté comme tu as été exactement. Avant. Quoi. Voilà, exactement. Parce qu'une personne m'a fait quelque chose, mais que j'expliquerai après. Et, voilà. D'accord. Voilà. D'accord, bon, on va... Et alors aussi, peut-être aussi parler un petit peu, parce qu'il y a eu quelques personnes qui étaient sceptiques vis-à-vis de la Spirit Box avec certaines personnes de ta famille. Oui. Donc, oui, avec les noms que nous ne connaissions pas, que toi tu connaissais très bien. J'ai les messages sur mon GSM, tout de suite elle m'a envoyé un messenger, elle lui a parlé, on ne dit pas de nom. Attaquer tout directement et tout, hein. Ben oui, parce que ouais, c'est pas la vérité, ça s'est pas passé comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai supprimé les commentaires, hein. Ça, on oui. était. Oui. C'est toi qui as voulu. Ah, mais je leur ai dit, hein, ce n'est pas eux, ils sont. Non, ça, je l'ai dit en privé, hein. Je dis, c'est pas eux, c'est moi. Parce que je parle beaucoup avec une dame, je te dis qu'elle est vraiment bien et tout, et c'est tout. D'ailleurs, pour les prochaines enquêtes, maintenant, c'est malheureux, à cause de certaines personnes, mais maintenant,
quand il y aura des commentaires, ils ne s'afficheront pas directement. Oui. Je les lirai. Si c'est des commentaires instructifs, voilà, je les mettrai. Exactement. Maintenant, si c'est des commentaires débiles, oui, parce qu'elles se mettaient d'accord l'une à l'autre, et ça, je le dis franchement, ça sera directement supprimé. Oui, en fait, moi, je dois préciser une chose, c'est que les voix spirit, donc spirit box, oui, on est un ensemble de personnes qui écoutons les voix spirit, spirit box. Oui, oui. Automatiquement, un nom qui sort d'une spirit box que nous ne connaissons pas. Ça ne vient pas d'une radio. Ça ne vient pas d'une radio. Ah, maintenant, toi, personnellement, tu as reconnu maman, tu as reconnu ton papa et mon frère. Tu as reconnu ton frère. Parce que j'ai demandé à mon frère comment s'appelait sa femme. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit, Claudine. Mais je demanderai tout à l'heure deux fois Claudine. Oui, oui, deux fois Claudine. Mais tantôt, je demanderai des choses. Et là, je vous donnerai quelque chose. Donc, pour moi... chacun, comme ça, c'est fermé. Vous l'ouvrirez quand vous l'entendrez. Pour moi, personnellement, c'est concret. C'est du concret. Ben oui, on l'entend. Si maintenant la Spirit Box nous dirait Arthur Jules But qui habite à Foufny-les-Verdouilles, je dirais il y a un problème là. Là, c'est un esprit qui s'amuse. Ça n'a rien à voir. Voilà, exactement. Mais alors, des noms précis, avec des trucs précis, oui, moi, parce qu'il y en a personnellement, une... malgré les debunkers, malgré ci, malgré ça, ouais, c'est un avis personnel. Toujours, on donne toujours son avis personnel. Tout à fait, oui. Pour moi, c'est du concret. C'est pas de... Il ne faut pas y mettre une théorie dessus, quoi. Voilà. Il n'y a pas de théorie à mettre dessus. On ne sait pas mettre de théorie là-dessus. Les ondes, ça m'a pas, c'est pas une matière, hein, je suis désolée. Puis, les ondes ne connaissent pas le nom de ta mère. Je n'ai jamais, depuis que je fais de la recherche avec la Spirit Box, je n'ai jamais entendu une voix former une phrase. Ben oui. Ce sont des mots. Voilà. Maman, elle dit quand même, elle me parle, elle fait oh là là, j'ai souffert, je ne sais plus comment elle a dit. Il y avait une phrase qu'elle disait ça, hein, quand j'ai dit, parce que Eric t'a fait souffrir et tout. Hein. Oh là là, oui, il m'a fait souffrir. Oui, il m'a fait souffrir, allez, franchement. Et après, j'ai demandé, ça ne m'en voulait pas, elle m'a dit que non, que je n'ai pas dormi cette nuit-là, en fait. Et après, je dis, maman, c'est quel fils qui habitait avec toi? Elle répète quand même Eric. Oui. Je suis désolée. C'est pas de l'hallucination. Non. C'est concret. Je suis désolée pour ceux qui vont regarder ce que je dis. Mais bon. La Spirit Box, ça, tu ne peux pas. Non. Non. Et non. Puis, on a entendu quelquefois Jean aussi. Jean, oui. Dans la Spirit Box. Hein. Oui. On pensait que c'était quelqu'un. Même Jean Martin avec ta famille, son. Hein. Comment il dit quand, Ovidix. Ouais, son Ovidix. Jean-Martin. Mais je l'ai sur le téléphone. Allez, non. Il faut laisser à César ce qui est à César, toi. Hein. Oui, c'est sûr. Oui, voilà. Un enquêteur paranormal, pour moi, c'est pas une recherche. C'est des preuves, mais c'est pas une recherche de dire, oh, c'est une matière, oh, c'est si. C'est notre forme. C'est notre forme. C'est une autre forme de recherche. Moi, je suis dans la recherche. Voilà, mais c'est notre forme. Je veux découvrir. Découvrir, en fait. Voilà. Bon, mais il y a des trucs qui sont... Tu ne peux pas dire le contraire. Si j'entendrais le nom de mon père, il n'y a personne ici qui connaît le nom de mon père. J'entendrais le nom de mon père, bien sûr, je ne le dirais pas. Mais dans mon fort intérieur, je dirais, tiens, c'est quand même bizarre, je suis là. La Spirit Box dit le nom de mon père, et peut-être un petit détail à côté. Mm-hmm. Qui va me prouver? Déjà, moi, je ne saurais pas prouver que c'est mon père à l'entourage, mais moi, je suis persuadé que c'est mon père. On ne vient pas chez vous pour YouTube, on vient chez vous pour vous aider. Tout à fait. Donc, si vous entendez quelque chose qui vous correspond à vous, oui, tant mieux. Bien sûr. Maintenant, si vous n'entendez rien, c'est qu'il n'y a personne. Mais moi, j'ai constaté une chose la dernière fois qu'on a fait aller là. La fois où tu as parlé à ton père, ta mère et ton frère. Je suis désolée. Il y a eu des prénoms à côté. Ah oui, Christophe qui est mort de la leucémie. Il y a eu temps. Le nom de Jean. Oui. Joachim, un ami qui est décédé aussi à toi. Hein. Et je pense que dans des conditions pareilles et dans des résultats pareils, c'est du concret. Voilà. Pour vous. Oui. Nous, on est dans la recherche. On a entendu, comme vous, on a constaté comme vous, ouais, que c'était du réel. Voilà. Ce n'est pas une invention. C'est vraiment une autre théorie.
Pour moi, ce n'est pas de la théorie. Non. Et de ce fait, je voulais mettre entre guillemets de ne pas détruire les enquêteurs, justement comme ça. Parce que les gens qui sont en deuil, les mamans qui ont perdu un enfant, tu comprends? Ça donne de l'espoir. Ça donne du réconfort. Du réconfort. Du réconfort et tout. On ne peut pas casser ça. Si on entend un nom, je t'aime, le je t'aime, c'est gros. C'est, excuse-moi. C'est pas toi par télépathie, tu vas dire. Tu vois, je suis désolée. Hein. Non. Pour moi, je vous dis bravo, continuez, parce que franchement, vous m'avez apporté du bien. Hein. Ah oui, quand j'entends. Oui. De toute façon, tu as certainement vu que. C'est normal. C'était une émotion. Voilà, l'émotion. De toute façon. Mais nous aussi, on était plein de frissons. Hein. Oui, oui. Parce que bon, on tombe de toute façon, voilà, les gens, les personnes qui viennent regarder les vidéos. Oui, oui, oui. Qui sont d'ailleurs abonnés sur la chaîne. Oui. Si ça leur plaît. Tant mieux, mais si ça ne leur plaise pas, qu'elles passent leur chemin, mais qu'ils passent, ouais. Mais qu'ils partent, voilà. Qu'ils se désabonnent. Oui, ouais. Ça aussi, c'est évident. Souci. On n'est pas ici pour faire le buzz des abonnés. Non. Ici, on est dans la recherche pour aider des personnes. Voilà, c'est ça. Maintenant, si ça intéresse les gens, tant mieux, mais si ça ne les intéresse pas, mais qu'ils partent, qu'ils aillent voir autre part, qu'ils trouvent mieux. J'ai vu un commentaire, mais j'ai enlevé son commentaire à elle, hein, mais je n'irai pas son nom, on se reconnaîtra. J'ai entendu que des grisouillis, et au début, elle n'a pas dit ça. Donc je l'ai enlevé, quoi. Ouais. Je l'ai enlevé. Bon, il faut laisser les gens juger par eux-mêmes. Hein. Oui, mais il faut savoir si on est mâle ou femelle. À moi, je dis, oui, c'est vrai, voilà, oui. Constructif. Oui, des choses constructives, voilà. Pas du n'importe quoi. Voilà. Oui, exactement. Je suis désolé, les gens, il y a peut-être certaines personnes qui vont le prendre mal, enfin, de ce que je dis. Mais voilà, je le dis et je le redis, si ça ne plaît pas, désabonnez-vous et allez voir autre part. Non, c'est ça tout. M'a fait du bien, de plus, nous, quand tu m'as dit de faire... On a notre manière de faire. Il y a certains commentaires qui disaient, ouais, vous rigolez tout le temps, il faut rester plus sérieux. C'était pour c'est pour l'atmosphère, c'est pour détendre un petit peu l'atmosphère. Oui, parce qu'autrement, si on est trop négatif, c'est là que tu peux attirer encore plus de négatif. Ah, justement, voilà. On ne vient jamais négatif, nous. Voilà, donc par moment, il faut... Puis, c'est pas un rire moqueur, hein. c'est la tension, là, un peu... Tout. Il y a aussi ça, voilà. On est nerveux, il y a des rires nerveux, il y a des rires amuseurs, c'est tout. On est naturel, je suis naturel, il est naturel. Mais moi aussi, toute notre équipe est naturelle. Voilà. Bon, maintenant, si ça ne plaît pas, ça ne plaît pas. Mais elle ne regarde pas. On m'a dit que j'avais été méchant et tout ça. Oui, j'ai été méchant, hein, Yalo. Méchant. Mais c'est même pas méchant. J'ai essayé d'activer la mauvaise entité sur moi. En fait, ils ont voulu dire que tu aurais dû être plus persuasif pour faire partir l'entité. Tu comprends? Comment être plus persuasif? Certainement dire, peut-être qu'ils ont regardé trop l'exorcisme, mais j'en sais rien avec. C'est une petite parenthèse. Ouais. Ils pensaient peut-être voir que tu sois comme ça. Pas te voir voler en l'air, mais que tu parles vraiment comme le curé. Ça n'existe pas, ça. Voilà. Entre guillemets. Entre guillemets, ouais, parce que. Moi, je ne sais pas. Ouais. Je ne suis ni exorciste. C'était pas une séance d'exorcisme, hein, c'était une purification. Voilà. L'exorcisme et la purification, c'est deux choses différentes. Exactement. Quand tu as vu la première fois dans une vidéo, oui. Hein, que tu n'étais vraiment, vraiment pas bien. Mais voulu, là, c'est en direct. Que tu as changé de langue, que tu as changé 3 ou 4 fois de langue en même pas l'espace d'une minute. Là, c'était troublant. Hein. Mais d'ailleurs, Jean, tu étais à côté de ta femme. Tu ne diras pas le contraire de ce que je viens de dire. Hein. Non. Hein, là, t'as eu, ça a été terrible. Hein. Ouais. Mais donc, certainement... c'est malheureux qu'on n'a pas preuve. C'est l'entité qui s'exprimait à travers moi. Mais au fond de moi, j'étais encore moi. Hein, je savais. Hein. On dirait que c'est une entité, une autre. Hein, c'est une autre entité. D'une tribu ancienne, mais tu t'imagines? Ouais, tu as changé de langue que pour finir. Mais moi, c'est une tribu ancienne. C'est fou, hein? C'est dingue. Et c'est dommage que si on pouvait tout savoir à l'avance, j'aurais fait une capture d'écran. Oui, bon, moi aussi. Mais on ne réagit pas. Quand on voit ça, tu te dis, elle fait du cinéma. Non, je me dis, non, mais je veux pas. Ouais, mais bon,
Nous quoi? Nous, oui, oui, en tant qu'enquêteur, voilà, on voit ça. On ouais, peut, et tu l'as pas cap... tu l'avais pas capté. Non, on a subi ça. Et c'est grâce à ta à la femme de Luigi. Mumu, ça j'ai entendu Mumu. Qui t'a fait revenir, hein? Ouais, j'ai prié l'archange Michael, j'ai entendu Mumu au loin. Je l'entendais de loin. Ouais. C'est dingue ça. Parce que nous, en tant qu'enquêteur, moi personnellement, je ne savais pas quoi faire. Hein. Non, mais moi j'entendais de loin, mais lui, elle criait peut-être je ne savais pas quoi faire. Hein. Moi j'entendais de loin. Non, c'est impressionnant, hein. J'étais. Ouais, mais j'étais vidée, moi, je me demandais quoi, hein. Oui, je. Franchement, ça fait bizarre. Ouais. Enfin, il y en arrive des drôles. Ouais. Quelquefois, on essaye d'expliquer. On n'arrive pas à expliquer. J'ai des photos que je n'arrive pas à expliquer. Je pense que je... Mais les orbes, c'est pareil. Il y en a qui ne connaissent pas ce que c'est les orbes et tout, bah, qui regardent sur Internet, hein, et puis voilà, ils voient les couleurs et tatata. Ta. C'est pas moi qui me suis amusé avec un truc à bulles et à faire... J'ai une vidéo. Et puis prendre des j'ai photos. J'ai une vidéo sur ma chaîne tu comprends ce où que j'explique je les orbes. Absolument. En plus, eh ben, dis-leur, hein, et puis c'est tout. Il faut le dire. La vidéo est sur la chaîne. Eh ben, qui regarde. Parce qu'il y a plusieurs couleurs. Moi, j'ai une page qui explique tout sur les orbes. Il suffit d'aller regarder, chercher. Tu vas taper. Non, les gens que ça leur intéresse pas, les orbes. Tu vas avoir plein de sites où ils expliquent c'est quoi les orbes. Mmh. Ils vont voir des lits retournés, là, ils vont aller voir. On dirait que ça les. Non, oui, ils vont le voir. Bah, si. Ils vont le voir, mais bon, c'est. Entre guillemets, attention, j'ai déjà vu des lits. La chambre complètement vide. D'ailleurs, c'est un collègue qui a fait une vidéo. Je ne citerai pas son nom, pas de pub, je ne parle de personne. Oui, oui. Voilà, un lit à l'intérieur d'une chambre, complètement vide. Il y avait un lit et les jouets d'un enfant et tout ça, etc. D'ailleurs, s'il regarde la vidéo, il va se reconnaître. Donc, il quitte la pièce, il va vers le bas, il remonte, il essaye d'ouvrir la porte, impossible d'ouvrir la porte. La porte s'ouvrait en poussant. Et il y avait le lit qui avait avancé du mur, a coincé la porte, et il a dû forcer, mais très fort, pour pouvoir re-rentrer dans la chambre. Il va certainement se reconnaître. Là, c'est du concret. On ne peut pas dire qu'il y a quelqu'un nier, dans la pièce. Non, on ne peut pas nier ça. On ne peut pas le nier. Voilà. C'est pour moi, personnellement, c'est une preuve. Oui, mais c'est encore la même chose. Il n'y a pas de preuve. Il y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait rien. Ouais, mais tu ne peux pas remettre ça dans, non, à chaque fois dans la tu théorie. Filmes, tu filmes la pièce en partant de la pièce. Oui, d'accord, mais que je dis, oui, d'accord, le gars a eu ces événements-là. Voilà. Donc pour lui, il sait très bien que c'est du paranormal. Bah oui, on est d'accord. Oui, ça, je... Mais bon, voilà, il va aller, tu vois, il va informer ça à quelqu'un ou quoi, mais qu'est-ce qu'il va se dire, le gars? T'as une preuve? Ben regarde depuis tant qu'on a acheté la carte. Tout le monde peut dire ça. Et tout le monde ne croit pas au paranormal. Alors il vaut mieux qu'ils arrêtent. Il ne faut pas regarder des émissions paranormales. Voilà, exactement. La garde-robe qu'on a enlevée, j'ai oublié de dire. Tu sais qu'il y a des moments, elle ne s'ouvrait pas. Hein, mais je savais que c'était le vieux monsieur qui ne voulait pas qu'on aille dans... Hein, elle se bloquait. Hein. Ah oui, moi j'ai essayé. Elle se bloquait. J'ai essayé. L'ouvrir, ouais. Et le gros toc, là. Oui, entendu dans, ben, la garde-robe. Dans l'envelu, ça... Jonathan, quand il a fait... On entend garde-robe, et puis coup. Et après, ça fait tac, tac. Un toc, boum. C'est même pas un toc, c'est carrément. Mais tu te rends compte? On a frappé. Oui. Non, il y a bien eu. Non, il faut. Je te dis, il faut laisser à César ce qui est à César. Malheureux parce qu'elle était belle. Elle était bien restaurée. Ouais, enfin, voilà. C'est vrai, hein. Je regarde, je suis vraiment belle gâte. Et quand tu m'as dit, attention, ils se sont peut-être cachés au parc, c'est vrai, hein. Je dis, attends, je ne vais pas vider la chambre quand même. La seule erreur qu'on aurait pu faire, qu'on n'a pas pensé, c'est effectivement d'avoir été purifier la cave. Oublier. Oui. Mais il faut dire aussi que toute ta façade, du début jusqu'à la fin, il y a eu. Le sel béni, oui. Du sel béni. Donc on s'est dit, ben, l'entité, si elle était partie à l'extérieur, ne serait peut-être pas rentrée à l'intérieur. Maintenant, voilà. C'est peut-être le seul
La seule bêtise qu'on... Non, c'est pas une bêtise, c'est peut-être un oubli aussi, ça arrive. Hein, en fait, l'enquête a été longue. Oui, fatigante aussi et tout. Hein. Oui, voilà, et certainement un oubli. Oui. Moi, j'ai oublié en tout cas. Parce que... Moi aussi, parce que j'ai pas pensé, franchement. Les trois parties font plus ou moins une heure. Donc, ça fait 3 heures d'enquête, et dans les 3 heures, j'ai bien enlevé 2 heures qui ne se passait pas grand-chose. Bah oui. Donc, tu vois, plus les arrêts qu'on a fait. Oui. Donc, voilà, je ne suis pas à l'heure qu'on était reparti, mais on est bien resté. 10 heures. On est resté 7 heures ici. Oui. Ouais. C'est déjà bien. Hein. Une enquête de 7 heures. T'as vu des belles sortes qu'il y avait quand même. Aussi bien pour nous que pour vous. Hein. De bah oui. Donc, voilà. Moi, je pense qu'on a fait du bon travail pour la première fois. Ah oui, parce que c'était la première fois. Maintenant, c'est toujours quand on fait des enquêtes chez les gens, qu'après on se réunit hein, et qu'on discute entre nous en disant oui. Maintenant, c'est ça que dans un sens, c'est bien d'avoir des commentaires. Oui. Mais instructifs. Voilà. Pas des insultes. Non, c'est casser l'image du paranormal. On sait toujours s'améliorer. Et c'est vrai que maintenant, c'est ça que c'est toujours bien avant de faire l'enquête, à la limite, discuter un petit peu avec les personnes, déjà pour voir si ce ne sont pas des manipulateurs. Bien sûr. Tu vois, c'est ce qu'on en fait en premier. Oui, oui. Hein, pour voir si c'est réellement. C'est moi qui fais ça pour direct. Oui, oui. Vraiment la réalité. Et alors, à ce moment-là, après, peut-être aller visiter la maison, s'il y a des caves, aller voir les caves. Et ce qu'il y a souvent, et ça, je l'ai déjà entendu quelques fois dans certaines vidéos d'enquêteurs, c'est que les propriétaires ne disent pas tout. Mais je sais. Par exemple, dans une enquête, dans la cave, il y a eu un meurtre, et on avait enterré la personne dans la cave. Bon, il se passait des choses dans la cave, mais la propriétaire de la maison n'avait pas dit qu'il y avait eu un meurtre dans la cave et que le cadavre avait été enterré. C'est ça qui serait bien, c'est ma façon, moi, de prendre l'histoire avant, la raconter un peu, tu vois, l'histoire, essayer de chercher, la mettre en début et après commencer. Enfin, ouais. C'est mon point de vue, ouais. Hein. Maintenant chacun fait... Ouais, ouais. En fait, ici, on fait un petit débriefing, il va y avoir des coupures, hein. c'est tout à fait normal, on peut sortir une connerie même sans s'en apercevoir. Non, bien sûr. En fait, ce qu'on fait ici, c'est bon. Revenir sur les enquêtes antécédentes. Oui. Donc ici, on est parti sur le fait que, déjà, le premier point, la cave n'a pas été faite, mm-hmm. Donc n'a pas été purifiée. Mais l'archange Michael, il me l'a dit. Oui. Il m'a dit cave. Donc la cave va être purifiée. Bien sûr, je ne suis ni prêtre. Je précise encore, je ne suis pas prêtre, loin de là. On n'est pas exorciste non plus. Je ne suis pas curé exorciste. Je ne suis que dalle, quoi. Moi, on est enquêteur en paranormal. Voilà. Faut pas dire que dalle. Je fais ce que je peux dans la purification. Je suis en train d'étudier encore aujourd'hui. J'ai étudié hier. J'ai étudié encore aujourd'hui matin, j'étudie tous les jours les purifications, le sens du mot purification, etc., etc., etc. Les saints, les archanges et tout ce qui suit avec. Donc, on va s'occuper de la cave aujourd'hui, purifier la cave dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on va revenir faire tout ça, donc spirit box et tout ça, où on fait ça avant, on purifie après. Je pense que, si jamais Myriam, tu veux refaire une séance de Spirit Box, oui. On a la 7 et la 11, oui. Comme dans les premières enquêtes, oui. La première enquête. Après qu'on passera à la purification, oui. À ce moment-là, on montera au-dessus, on descendra vers le bas, comme ça Myriam aura le temps d'ouvrir toutes tes armoires, oui, comme oui, à la première comme fois. La première fois, oui. Hein, au-dessus aussi. Oui, oui, oui. Et alors, après, quand on aura fini ici, on descendra peut-être faire une petite séance de spirit box dans la cave. Oui, oui, ça a déjà été fait. On peut le faire. Pour voir si... 10 minutes, hein, tu vois, oui, oui. Pour voir si on a même capté une Mais fois vous ou savez, pas. Il ne faut pas dire que vous êtes que dalle. Vous ne pouvez rien... Non, 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 moi. Non, non.
Parce que. Moi, faut pas oublier. C'est entre guillemets. Les personnes qui sont en deuil et tout, vous venez, bon, qu'il y a des choses qui se passent, il y en a qui se demandent si c'est leur famille ou quelqu'un de loin, de plus loin, tu vois. Ils essayent de comprendre aussi. N'oubliez pas que, quelque part, les gens qui sont en deuil, ils aiment savoir aussi s'ils ont passé de l'autre côté. Vous le faites, il ne faut pas oublier hein, ce que vous avez fait. Vous avez envoyé hein, des âmes vers la lumière. Oui, je sais. Et je vous promets que c'est vrai, hein, parce qu'il y en a moins hein, chez moi. Enfin, chez nous, chez Jean. Je sais. Ouais. Vous n'êtes pas rien. Hein. Non, non. Il ne faut pas vous sous-estimer. Mais je veux dire qu'on n'est pas des êtres supérieurs. Quoi, qu'on a, moi, voilà, il faut qu'on étudie. On étudie, on apprend. C'est une autre forme. Voilà. C'est une autre forme. C'est une autre forme de... Moi, je suis chrétien. Je ne le cache à personne. Je suis chrétien. Je ne suis pas raciste, comme je l'ai dit la dernière fois. Non, ça, c'était pour apporter les entités. Oui, je ne suis pas... D'ailleurs, je le dis dans la vidéo, hein, il n'y a pas de... Personne n'est raciste. Voilà, je suis tout à fait normal et ouvert à tout. Voilà, c'est tout. C'est ce que je voulais dire sur moi. Maintenant, on va commencer à faire... Et puis, chaque groupe a son sa mode, sa façon de travailler. De faire, tout à fait. Voilà, maintenant, si tous les enquêteurs auraient la même méthode de travail, ce serait banal. Ce serait embêtant, oui. Ce serait banal. Ouais. Bon, maintenant, chaque enquêteur a son mode de travail. Maintenant, c'est ce que j'ai dit plusieurs fois. Ça plaît, ça ne plaît pas. Ben voilà, passe ton chemin. Voilà. Ouais. Mais c'est pas pour ça qu'on changera notre méthode de travail. Oh non. Non, elle est bien. Comme c'est ça, tout. Les points sont sur les i. Non, les i sont sur les points. Non, les ouais. points sont sur les i. On s'en fout. Il va couper ça. Non. Et alors, voilà quoi. Oui, c'est vrai. Chacun sa méthode. C'est hein, comme ça. Maintenant. Moi, je connais des enquêteurs très calmes. Ils font bien leur boulot, très bien leur boulot. Et bon, ils ont de la réussite, pourquoi pas. Mais écoute, excuse-moi de t'interrompre. Celui que Laurent il a invité, c'est Henri, mais je ne sais plus son nom de groupe et tout. Hein, il travaille avec une femme. Je ne connais pas. Ben, je vais écouter cet homme-là. Hein. Il en a dans la tête et tout. Hein. Parce que quand il est rentré dans le château et qu'il a entendu le défunt lui dire Henri, et qu'il n'avait pas, il fait je te connais, toi. Donc, Henri, donc je dis Henri, dit comme ça, sans dire son prénom, il fait, comment ça, tu me connais? Il fait, comment je m'appelle? Henri. Allez. On était déjà en train de dire, oui, mais il n'y a pas de matière et tout. J'ai vu Henri qu'il était un petit peu... réticent, parce que lui, il a vécu, il est à 100% paranormal, hein, ce gars, hein. Mm-hmm. À 100%, parce que lui, il a vraiment... Oui, mais si on n'est pas dans le paranormal, je sais pas, arrête. Ben oui, Si tu ne crois pas ce que tu entends, et si tu ne crois pas ce que tu vois, ben oui, arrête. Tu ne peux pas démanteler, tu ne peux pas casser ça, tu ne peux pas. Bien sûr, il y a les trucs vraiment spéciaux qui arrivent. Bon, là, c'est crédible. T'as une caméra, tu vois le mec qui fait un bond d'un mètre sur le côté, ça existe. Ouais. Il fait un mètre d'un bond sur le côté, il y a eu un problème, c'est pas lui qui se jette quand même. Non. Et puis on voit rien, on voit personne. Quand j'ai vu dans Ghost Adventure, Zach, il était projeté en l'air, le malheureux. Oh oui, mais il s'est pas jeté lui-même, je suis désolé, il fait pas de cascade. Hein. Ah non. Non, ils sont vraiment... Non, mais les gens adorent Ghost Adventure à cause... Allez, ils provoquent, ils y vont, franchement. Hein. Il y a même, comment il s'appelle, le jeune, il y en a un qui est sorti, hein, mais il a fait son groupe à lui-même, parce qu'il avait peur de Zach, parce qu'il provoquait, justement, il provoque de oui, trop et tout, il va vraiment à fond, Zach, hein, ouais, lui, et après, il fait la purification, mais en dehors, hein, mais il le fait, hein, et ils vont faire le nettoyage sur eux et tout ça, mais c'est un groupe, il y a 35 ans qu'il existe. C'est à 8 ans qu'on a vu son premier fantôme à 8 ans qui a dit « Je sais ce que je dois faire, c'est ce métier-là. » Et on fait son métier. Ah oui. Et chapeau les gars, hein. Chapeau. Hein. Mm. Ah ouais. Ouais, c'est une belle équipe. Ouais, franchement, avec Aaron... Eux aussi apportent des preuves. Ouais. Ils évoluent dans le matériel, tout. Ils évoluent dans tout. Regarde dans l'OVLUX là, qui programme, donc ils programment tous des mots, hein, pour que les énergies des entités viennent dans l'OVLUX, parce que c'est de l'énergie, quand ils disent meurtre, dans la cave et tout. Et tout est vrai. Hein. D'ailleurs, tu sais ce qu'on peut faire, Luigi, quand on ira dans la cave,
À la place de faire une séance de spirit box, Kinect. On descendrait avec la Kinect. Et alors, on essayera d'éteindre un petit peu les lampes. Oui. Et alors, on essaiera d'essayer de rentrer en contact avec les entités, par exemple avec le dictaphone. Et je passerai dans toutes les pièces avec la Kinect pour voir. Oui. Et on demandera à l'entité voir si il y a des moyens qui se montrent. D'accord. Il y a possibilité. Et alors, ben, si réellement il veut passer le cap, ben, il n'y a pas de souci. On fera ce qu'il faut pour qu'il parte. Tranquillement. Voilà. Il n'y a pas de souci. Et alors, ben, quand tu seras prêt à expliquer exactement ce qui s'est passé, c'est quand tu veux. Hein. J'ai trois papiers. C'est le même pour tout le monde. Hein. Ma maman m'a donné un deuxième prénom. Oui. Personne ne le sait. Moi, je brouille dans ma tête. Personne ne le sait. Je vais vous le donner à chacun. D'accord ? Si j'ai ma maman qu'elle veut bien se parler, parce que hein, c'est pas tout le temps et tout, non. Je peux le demander à mon papa et peut-être que lui ça rappellera pas, donc c'est sa maman. Je vais vous donner un papier et quand on aura entendu et tout, vous ouvrirez le papier. D'accord. Oui, pas de souci. Et là, excusez-moi, là vous ne le savez pas, hein, donc voilà, il n'y a que moi qui les ai écrits. Je remets un pour toi, un pour toi. Et un pour toi, Fifi. Merci. Je voilà. M'approche. Et quand c'est dit, voilà. Ah, pas de soucis. C'est voilà. On a notre petit papier. Voilà. On va faire une spirit box, si tu veux bien. Oui. On va commencer par ça. Je vais couper la caméra en attendant, parce qu'il faut que... Il faut éteindre les lumières ici. Séance de Spirit Box numéro 1. Bah voilà, c'est parti. C'est pas l'Obélix, ça. Non. Ça, non. C'est on va entendre les voix qui vont... Les mots. Les mots, oui. Les mots, il faut bien se concentrer. Et alors, il y a un tri à faire. Oui. Tu poses des questions, c'est quand tu veux, tu peux poser des questions. Maintenant, on va juste demander, déjà, si la personne concernée est là, est présente avec nous. Je pense l'avoir ressenti tout à l'heure. Voilà. Je vous demande, si vous êtes présent avec nous, de prononcer un nom quelconque, celui qui est ici autour de la table avec nous. Faire foot. Non, je vais pas me faire foot tout de suite. Je sais c'est qui ça. Je vais pas me faire foot tout de suite, j'ai mal la tête là. Je vous écoute. Votre nom, s'il vous plaît. J'ai vu ton ombre noire dans la chambre. Tu saurais dire ton nom, s'il te plaît. Je suis à fond. Vous voulez bien donner votre nom? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici présent avec nous? Aujourd'hui, nous sommes venus dans des conditions différentes de la dernière fois. Toujours avec la même mentalité, mais pour vous poser des questions franches et nettes. Alors, s'il vous plaît, voulez-vous bien nous donner votre nom? Et évitez les insultes.
Merci. J'ai fait de l'écriture automatique dans la chambre. Est-ce que tu es bien la personne à laquelle je pense? Dis-moi ton nom, s'il te plaît. N'aie pas peur de moi, je t'ai dit comme ça, je te pardonnais. Comment tu t'appelles? Donne-moi ton prénom. Si tu veux passer par la lumière, donne-moi ton prénom. Tu me l'as demandé. Ça ne va pas, c'est faux. Un petit réglage. Oui. L'ombre noire qui m'a parlé en écriture. Tu m'as dit ton nom. Dis-moi ton prénom. Comment tu t'appelles? Est-ce que tu as besoin d'aide? Si oui, c'est maintenant. Car après, on ne reviendra plus. Pourrais-tu nous donner ton nom? S'il te plaît. Oui. Comment je m'appelle? Est-ce qu'il y a un membre de ma famille ici? Tu es là, maman, aujourd'hui? C'est Myriam. Maman, tu es avec moi? Elle a dit oui. Maman, je peux te demander quelque chose? Que tu voulais mettre en premier, le premier prénom. Maman, donne-moi le premier prénom que tu as voulu me donner.
Maman, je t'aime. Maman, tu saurais me donner le premier prénom que tu voulais me donner? Tu es là, maman? Donne-moi le premier prénom que tu as voulu me donner, maman, et tu n'as pas mis. Ça a dit? T'as pas compris? Redis-moi, maman, le prénom que tu as voulu me donner la première fois. S'il te plaît, maman, dis-le-moi. Comment je devais m'appeler avant? Maman, tu as voulu m'appeler autrement avant Myriam. C'est quel prénom? Tu es encore là, maman? Maman, s'il te plaît, dis-moi le prénom que tu as voulu me donner avant Myriam. Réponds-moi, tu es là? Il y a quelqu'un en prison ici. Maman, je te sens à côté de moi. Tu es là? Tu m'entends, maman? Thank you.
derrière moi, je sens du froid. C'est toi, maman? Maman, donne-moi le premier prénom que tu as voulu me donner quand j'étais jeune, mais que tu n'as pas voulu parce que c'était trop long. Film. Ouais. Montre, montre la kinette. Voilà, ben chez Myriam, on va tester la kinette. Voilà, la kinette est en fonction. Voilà. On y va, vous voyez? On voit déjà le squelette de Jean et de. Voilà. Eh bon, on va aller. On y va. Moi j'ai pas donné, donc je vais. Attends, j'arrive. Ah, ok. Donc moi. Il y a la mire, hein. Tu ressors pas la porte à plein. Attention de ne pas se faire mal.
peux y aller. Ici, on savait plus passer là-bas. Non. Non. Non, parce qu'il y avait tous ces gravats. Et encore plus. Vous voyez ici comme c'est, oh oui, comme c'est bas. Hein. Ici on est, on n'a pas, on a une chotte. J'ai mis l'éclairage. Alors Fifi est occupée avec la kinette. Myriam et Jean nous accompagnent de la cave. Ici je vois rien du tout. Hein. Y a rien du tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? Manifestez-vous avec l'appareil que j'ai dans ma main, ça vous détectera. S'il vous plaît, montrez-vous. N'ayez pas peur, montrez-vous. Il y a du son extérieur aussi, des bruits parasites. Non, mais de toute façon, non. Il reste une femme ici. Montre-toi, je t'ai entendu l'autre jour. Tu as claqué la porte de la cave. N'aie pas peur, on ne te fera pas de mal. Ouais, une fois là-bas, Myriam. Peut-être que nous le voyons. Tu veux bien me toucher? Vas-y, je te ferai pas de mal. Tu peux prendre ma main. Je sais que tu es ici. Moi, je ressens quelque chose, mais je ne sais pas si tu vois. Allez, montre-toi. N'aie pas peur, je te ferai pas mal. Touche ma main. Prends-moi un peu d'énergie. Fais comme moi, monte le bras. Si tu sais le faire. Tu es là, hein, je le sens. Mais il faut te montrer. Manifeste-toi. S'il te plaît. N'ayez pas peur, madame. Vous pouvez même parler, je vous enregistre. Il n'y a aucun souci. Est-ce que Marc, il est bien parti vers la lumière? Tu es parti vers la lumière, Marc? Si oui, dis-le à travers de... du petit boîtier, c'est ça? Ici, à la caméra. À la caméra. Il reste encore quelqu'un dans la cave. Montrez-vous. N'ayez pas peur, on ne vous fera pas de mal, que du contraire. On est ici pour vous aider. Manifestez-vous. S'il vous plaît, allez-y. C'est vous qui avez refermé la porte. C'est vous, madame, je le sais. Et je vous ai entendu, vous m'avez claqué la porte. Derrière moi. Et voilà. Si vous voyez, c'est ça exactement, les toutes petites caves. Mais oui. Ici, je plie mes genoux pour ne pas me cogner la tête. Et je ne suis pas très grand. Voilà. Et il y a ça partout. Dans cette cave. Si je ne vais pas filmer les cartes d'identité, on va regarder Fifi. Je te vois avec la kinette. Fifi me voit en squelette. Ça doit être beau. Il n'y a personne qui veut se montrer. Il faut te reculer un petit peu. Je recule et je vois maintenant. Oh, il y avait la marche. Vous voyez que c'est dangereux quand même. Ouais. Et voilà. J'ai Fifi, Myriam, Jean. Je vais continuer à reculer. Mettez-vous à côté de Luigi. Touchez Luigi. Oui, encore une porte. Il a plein d'énergie avec la grosse lampe. Encore une porte de cave. Montrez-vous. Je continue. Je recule. Je recule. Je vois toujours Myriam avec Jean. Fifi disparaît dans le noir, mort de rire. Luigi, il y a quelque chose à côté. Il y a à côté de toi. Il y a eu quelque chose à côté de toi. Non, c'était Jean. C'est Jean. C'est sûr Jean.
Oui, en fait, ce qui est à gauche, ici, à l'écran, est à droite. Ah, ok. Donc, remets-toi. Remets-toi un petit coup. Voilà, t'as vu? C'est Jean. C'est expliqué, c'est Jean. Ouais, voilà, ok, pas de soucis. De toute façon, je progresse encore. Ouais. Je continue à progresser vers l'arrière. Hein. Ouais. Donc, je remonte encore une porte. Petite porte de cave. Voilà, maintenant, je ne te vois plus, moi, Luigi. Donc, chaque appartement... Non, je suis trop loin? Ouais, trop loin. Ah, je reproche alors. On va essayer. Voilà. Voilà. Ah, ok, je vais me retourner. Hop. Marc, est-ce que tu es encore dans la cave? Voilà. Montre-toi hein, si vous êtes là. S'il te plaît. Vous voyez les portes? On voit toujours les mêmes portes. Et alors, c'est... On peut t'aider. C'est très bas. S'il te plaît, mets-toi à côté de Luigi. Alors, viens vers nous. Je suis comme cobaye, donc je vais demander à l'entité si elle veut bien venir me toucher la main. Je suis là. Il n'y a pas de souci, vous pouvez venir à mon contact. Je ressens du froid à la main gauche, mais je pense que ça doit être normal. Donc voilà, je suis toujours statique pour la kinette. Oui, la porte. Encore. Marc, mets-toi à côté de Luigi. Et si c'est comme ça. C'est comme ça partout en fait. Mets-toi à côté de Luigi. S'il te plaît, vas-y. Tu peux. Vous pouvez venir à côté de moi, il n'y a aucun souci. Prends sa main, il ne te fera pas de mal. Voilà, donnez-moi la main. Je vais ressentir votre température tout de suite. On n'est pas méchant, on est juste là pour vous aider, c'est tout. Marc, si tu es encore ici, touche la main de Luigi. Faites un gros bruit. Montre-toi. Ou faites un gros bruit. Si vous voulez qu'on vous aide aujourd'hui, faites un gros bruit. Qu'on vous entende bien. Frappez sur une porte, même celle qui est à côté de moi. Montre-toi, Marc, s'il te plaît, si tu es encore ici. Ou la dame qui m'a refermé la porte derrière. Montre-toi. Montre que tu n'as pas peur. Venez me toucher. Pour approcher. On va progresser vers l'avant. Fifi. Les bruits venaient plutôt de là. Hein. Et près des marches, et on demandera près des marches, peut-être qu'ils sont... La dernière fois, c'était là-bas. De l'autre côté. De l'autre côté, là-bas, oui. Ouais. Donc, t'as raison, parce que... Ouais. Je pensais que j'avais craqué le programme, apparemment. Ah. Un petit problème technique. Non, c'est pas un problème. C'est pour pouvoir enregistrer, quoi. Ouais. Comme vous voyez, je ne vous mens pas. Hein. Là, j'ai la caméra, même pas à hauteur de tête. Et c'est déjà bien bas. Voilà, je pense que ça enregistre. Un œil à l'arrière. Hop, on tourne. Et on voit. Moi, je recule. Vous voyez les portes, hein, comme je vous disais. De toute façon, pas de planter, Luigi. Si faire attention, que c'est là que ça se réduit. Je vous prends Fifi. Faites attention, une petite bordure ici, juste à gauche. Je continue à progresser en marche arrière. Cache ici. On va bien, la pièce, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a même un ascenseur, oui. Ah oui, mais de toute façon, si jamais il y aurait une ombre ou quoi, on verrait. Directement. Oui, directement.
Ah, on sort mieux ici, je pense. Ah, il y avait quelque chose à droite. À ma droite? Ouais. Ici? Ah oui, c'est froid. Montre-toi. Donne-lui la main. Marc, tu es ici? Donne la main à Luigi. Oh putain, c'est une toile d'araignée, j'ai eu peur. La vache. Ah, tu vois, c'est... La quittette fonctionne super bien. Sur moi, j'ai un petit programme avec le logiciel d'enregistrement d'écran. Oh. À mon avis, le crack n'est pas... Il n'est pas au top. Mais si ça enregistre. Il se met de temps en temps. Oui, là-bas derrière, on voit Jean. Oh. Voilà. Mmh. Voilà, si ça enregistre. On verra bien au rush. Ouais. Quand je verrai... Continue, je recule. Ils sont pas tombés, il y a le bidon. Ouais, attention, il y a le bidon derrière toi, je dis. Ouais. Bon, on avance en même temps que toi. Voilà. Tu vois, le plus qu'on a eu en EVP, c'est là. Ici? Là, et là au bout. T'es pas caché derrière l'appareil? Montre-toi, Marc. Montre un bras. Qu'on entend, il y a des gouttes d'eau. Ça, oui. Ouais. Il est là. Il est là. Voilà. Bonjour, Marc. Tu n'es pas parti? Marc, attends. C'est peut-être à cause du bidon. Hein. Ouais. Lève. Lève tes deux bras. Marc, lève tes deux bras. Vas-y. Lève tes deux bras, s'il te plaît. Il lève les deux bras. C'est ça ou c'est pas ça? Je sais pas. Il s'est caché. Remonte-toi, s'il te plaît. Je sais pas si c'est peut-être à cause des bidons. Hein. Ouais. Attends, c'est rien, je vais réessayer. C'est toi, Marc, ici. Tu es caché, là. Je sais que tu es là. Montre-toi, on te fera pas de mal. Tu sais bien qu'on te fera pas de mal. Il y en a juste un squelette devant le bidon. Ouais. S'il te plaît, remontre-toi. Fais-moi plaisir, remontre-toi, s'il te plaît. C'est fou, hein? Ouais. Donc, il y a bien quelqu'un ici. Oui, s'il te plaît. C'est peut-être la dame aussi. Hein. Madame, c'est vous? Remontrez-vous. N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal. Montrez-vous encore une fois. On ne vous embêtera plus. Vous vous cachez, là, derrière le bidon. Montrez-vous. S'il vous plaît. Je sais que vous pouvez le faire. Levez un bras. Vous allez le faire. Montrez-vous, vous n'avez pas peur de nous, montrez-vous. Parce que si ça serait vraiment à cause des bidons... Ça l'aurait fait. Ça l'aurait fait tout le temps. Oui, non, elle était là. Ici, il y avait quelque chose devant... Tu l'as enregistré, hein. Oui, ouais. Ça enregistre. De toute façon, il y a quelqu'un ici. Je te l'ai dit qu'il y avait encore quelqu'un. Ouais. Madame, c'est vous? Montrez-vous, s'il vous plaît, si c'est vous. C'est vous qui avez reclaqué la porte de la cave derrière moi. Je suis pas en colère, mais ça fait peur et je vous embêterai pas. Non, ça c'est la machine. C'est pas grave, c'est la machine ça. C'est une machine qui se met en route. Ouais. Montrez-vous, encore une fois, si vous êtes ici. Montrez-vous si vous voulez rester ici. On vous embêtera plus. Montrez-vous. Non. Elle est partie. Tu l'as vu, hein? Moi je l'ai vu. Hein? Ouais. Ben merci. Hein? Merci, oui. Merci de vous avoir manifesté. Hein? On va continuer. Comme tu veux, par là. Oui, non. Il n'y avait rien par là. Je suis. Ah ben allez, alors. Attention à Brigitte. Attention à toi. Hein? T'inquiète pas. Voilà, bonjour. Je fais toujours marche arrière. Marc, si tu es ici encore, tu sais te montrer? Toujours dans la cave. Hein. On progresse vers le fond de la cave.
Ici, il y a... Montrez-vous. Ah, voilà, le bruit de l'eau vient de là. Oui, il y a une fuite. Montrez-vous, s'il vous plaît. Continue. En marche arrière. Donc, le squelette que vous allez voir, c'est le squelette de Ligier. Alors ici, faites attention à vous, ici. Marc, attends, c'est l'escalier, ça? Non, c'est l'eau, faites attention à ton appareillage. Vous êtes ici? Vous êtes caché ici? Montrez-vous, s'il vous plaît. Plein de toiles d'araignées. Avec des araignées. Mais où? Mais partout. Ah oui, ouais, ici. Non, il y en a tout plein. Oui, il y en a beaucoup ici. Oh, Dieu. Oh, je te jure, j'aime pas. Non, encore une cave ici. Et vous voyez le bruit parasite qui vient de ici. Là. Oui. Juste au-dessus, au milieu. Voilà. Montrez-vous s'il y a quelqu'un. On continue. Une belle cave. Montrez-vous, vous êtes montré. Montrez-vous encore une fois. Faites attention, trois marches là. On va aux deux marches. N'ayez pas peur de nous. Voilà encore, cave. Vous êtes parasite venant de là-bas. Faites-nous un signe avec votre bras. Et on est au bout de la cave. Montrez-vous. Donc, voilà. Le fond de la cave. Bon, cette fois-ci, j'ai essayé de bien prendre toute la cave. Je reste ici dans le fond. Prenez l'énergie de la lampe à Luigi. Voilà. Reprendre même mon énergie, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me toucher, vous pouvez me... Je sais pas, mais... Attends, là, c'est quoi le... Toi tu es à gauche et il y a quelque chose à droite. Ouais. Il y a quelqu'un. Donc à droite, c'est sur ta gauche. Ici? Non, de l'autre côté. C'est ma droite, alors. Ouais. Ici? Ouais. C'est lui, là. Je le touche? Mais non, il baisse les bras. Descends ta main. Voilà, là t'es sur lui. C'est très froid. Il y a quelqu'un. C'est toi, Marc? C'est très froid. C'est toi, Marc, ou madame? Il y a une dame à côté de moi. C'est bien ça? Hein? Gars, je vais basculer l'image. Ouais. Il y a une dame ici à côté de moi. Voilà, gars. Oh, nom de Dieu. Touchez-moi. Touchez-moi, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Madame, qu'est-ce que vous voulez? Qu'on vous aide à partir? Vous êtes où? Et c'est pas la main de Luigi, parce que Luigi a sa main en bas. Et t'as vu? Là, maintenant, on voit les deux squelettes. Mais il y a quelqu'un à côté de toi. Il y a quelqu'un à côté de toi. Ouais. C'est toi, Marc? D'accord. Mais je crois que c'est plutôt madame. Vous pouvez répondre dans la caméra, on va vous entendre. Des frissons. Hein? Des frissons. C'est toujours. Vous êtes toujours à côté de moi? Vous pouvez me parler aussi, je peux peut-être vous entendre. Essayez de me souffler quelque chose à l'oreille si vous voulez de l'aide. Soulevez vos deux bras. Si c'est toi, Marc, soulève tes deux bras, s'il te plaît. Lève tes deux bras, Marc, si c'est toi. N'ayez pas peur de nous. Vas-y, lève tes deux bras, les deux bras. Les deux. La gauche et la droite, Marc. Elle est bien là, c'est bien là. Vous êtes ici, vous vous sentez coincé? On peut vous aider. Il faudrait que... Je regarde le programme. Tu crois que c'est un défonctionnement? Non. Non, il y a quelque chose quand même. Toujours là? Je sens toujours du froid, il est toujours là? Non. Montrez-vous! Prenez l'énergie de Luigi! C'est pas le mur. Ah, c'est une tuyauterie en plonge, non, pas en plastique. Donc voilà, il n'y a plus de froid. Parti. Il est parti, il n'y a plus là. Oui, j'ai plus de froid. Donc on arrive. Parti, mais j'ai un petit souci avec le programme de capture d'écran. Oui. Donc
Tu crois qu'il y a... Ben, j'ai une partie qui a été filmée. Mais l'autre partie, ça a coupé. Je ne suis filmé que 10 minutes. Ah oui. Je ne suis enregistré que 10 minutes. Écoute, si tu as des gens... Pour la prochaine enquête, ça sera résolu. Le problème sera résolu. Donc ici, c'est un essai... Oui, bien sûr. Et de toute manière, j'ai ressenti une fois ici. Ça y est, ça recommence. Il y a bien eu des trucs. Oui, non. Non, non, c'est le squadet de... Ah, côté. Ah oui, d'accord, ça. Ouais, c'est lui dit. Ici, j'ai du froid. Ah oui. Mais t'as vu? J'ai du froid ici. Ouais. Prenez la main de Luigi. Vous pouvez prendre ma main, toucher ma main, ou me toucher moi. T'as vu une orbe? J'ai vu une orbe. Ah bon? Ah ouais, j'ai vu une orbe passer devant toi. Prenez la main de Luigi. Venez prendre ma main, il n'y a pas de souci. Non, pas. Venez toucher ma main. Marc, tu es toujours ici? Montre-toi. Marc? Vous le savez, hein, après nous allons revenir et on va purifier la cave. Hein. Donc si vous voulez vous montrer encore une fois et dire que vous êtes d'accord? Il va arriver ici à côté de moi. Allez près de Luigi. Venez près de moi ici. Vous êtes en sécurité, il n'y a pas de problème. Venez approcher. Il sent du froid. C'est bizarre. Je suis tout au fond de la cave. Et j'ai un froid. Ne vous cachez pas, montrez-vous. J'ai un froid à ma droite. Montrez-vous. C'est dehors. Ça vaut pas toutes les peines. Non, c'est rien. Ça, c'est tout ce qui est au-dessus. Ouais, c'est tout ce qui passe au-dessus. Et t'as vu encore une orbe? Vers moi? Elle est descendue devant toi. Ouais. Montre-toi si c'est toi, Marc. Ou madame, peut-être. Qui que vous soyez, vous pouvez venir me toucher. Touchez ma main. Touchez ma main tendue vers vous, je ne sais pas où vous êtes, mais vous pouvez me toucher, il n'y a aucun souci. Plus haut. Plus bas. Ça fait déjà deux phénomènes, un devant le bidon et un à côté de toi, Luigi. Ouais. Ça c'est clair et net. J'ai vu deux orbes, encore une maintenant. Ouais. Tu sais, c'est chargé ici. Oui, c'est ici qu'on avait eu beaucoup de... Et c'est pas un insecte, hein. Et c'est pas des poussières. Hein. Non, il n'y a pas d'insectes. Il n'y a pas de poussière, apparemment. Ah, si, il y a des insectes. Une grosse araignée. Oui, il y a des araignées. Oui, mais bon, une araignée qui passe devant toi... Non. Allez, si vous êtes près de moi, touchez-moi. Montrez-vous, n'ayez pas peur, s'il vous plaît. Montrez que vous n'avez pas peur de nous. On vous fera rien, hein? Justement, on veut vous aider. Si vous êtes d'accord que vous pouvez... Vous avez envie de passer par la lumière, montrez-vous. Si vous avez envie de rejoindre la lumière, montrez-vous. Attends, je vais me tourner vers toi.
Bon, si jamais. Il y a une toile d'araignée, là, donc te fais pas ça. Non, ça arrive. Tu vois, Luigi? Oui, parfait. Regarde. Ça, c'est lourd, ça devient lourd, hein, ce bazar. Ouais. Ouais, je vois. Je vais filmer. Tu peux filmer un petit peu l'écran. Faire la mise au point. Mais... Il n'y a personne à côté de moi. Non. Oui, il y a Jean. Oui, voilà. Je l'ai, mais presque en transparence. Non, on voit. Jean ne le voit pas. Il est là. Ah, ça y est, le squelette de Jean est là. Oui, je le vois. Difficile, hein, un grand presque plan. Difficile à filmer. Il est peut-être près des escaliers, hein. Peut-être qu'il nous menait jusque là où est-ce qu'il est parti, non? Là-bas? Ouais. Oui. Non, on peut retourner là-bas. De toute façon, après, on va faire la purification. Oui. Hein. C'est là, ouais. On va remonter à l'étage chez toi, ouais. Avec ta kinette. Ouais. Et après, on va commencer à faire la purification. Hein. Ok? On ça fait va. Comme ça? Eh ben, c'est eu. Ça va? C'est Ada. Où là? À Dada. C'est par là. Donc, je savais même. Ben merci, bon, si c'est ben bien oui. Vous qui vous êtes manifesté, je ouais. Vous remercie. Merci. Attention, il y a deux marches. J'ai l'impression qu'il se cache là, j'ai une sensation. Ben, c'est déjà pas mal qu'on a capté deux maintenant, bon. Ah bah oui. Ouais, voilà. C'est... Voilà, c'est ici que les tombes de marche. Marc, si c'est bien ici que tu es tombé, tu sais pas venir. Le montrer exactement où tu es tombé. Montre-toi pour qu'on comprenne un petit peu. Montre-toi laquelle de marche tu es tombé. Donc Marc, c'est celui qui est tombé dans les escaliers qui s'est tué. Oui. Montre-toi Marc. À moins que c'est madame qui reste, que Marc il est déjà parti au paradis. N'ayez pas peur, montrez-vous. Non, rien. Non, rien. Il n'y a rien. Ben, on va remonter. Hein. Ouais. Non, on y va. Ben, merci, hein. Merci de vous être à vous. Êtes. Vous êtes. C'est bizarre. Vous êtes la même personne. Qui s'est montré? Ouais. Voilà, je suis fatiguée. Tu m'avais promis quelque chose. Est-ce que tu es encore ici? Tu sais à quoi je pense. Mets-toi à côté de moi. Viens t'asseoir à côté de moi. S'il te plaît. Je t'attends. Viens à côté de moi. Tu peux t'asseoir ici. Peur. Je t'avais dit que je te pardonnais. Quoi, il a peur du matériel? Non, en fait, je peux le dire. En fait, c'est un gosse, c'est un drogué, je l'ai aidé pendant 7 ans, mais il buvait aussi alcoolique, mais il m'a donné des coups de boule et tout. Et quand il est décédé, j'étais contente, je ne l'ai jamais pardonné. Mmh. Voilà, tout simplement. Mmh.
D'accord. C'est déjà pas mal. La batterie, une barre. Comme je suis monté ici de 3 à 1. Il est là ? Ah, il prend de l'énergie en tout cas. Oui, il prend de l'énergie. Bah, des batteries, j'en ai encore. Viens à côté de moi. Tu me l'avais promis. Il s'appelle comment ? Augustin. Je vais montrer. Mais vous n'allez pas comprendre l'écriture. Je ne sais pas ce que je vais dire. En fait, quand Myriam m'a recontacté pour dire qu'elle avait encore des soucis, elle m'a parlé. Qu'un jour au soir, sans le vouloir, elle s'est réveillée et en fait sa main partait dans tous les sens. Et en fait, ça s'appelle de l'écriture automatique. Bon, je peux le lire bah, attends deux secondes. Et alors, je lui ai proposé de venir s'assoupir durant la journée. En mettant une plaque et du papier et essayer l'écriture automatique. Et effectivement, on a les preuves. Elle a, enfin les preuves. On a l'écrit. Et en fait, on va vous montrer les résultats que Myriam a eu. D'accord. Ça ne vous dérangerait pas que je prenne que 10 minutes vite fait en bas? Pour l'écriture automatique, si ça vous dérange pas. Non. Parce non. que les gens, ils vont pas comprendre. Ouais. En fait, voici le nom du garçon. Voilà, il est ici. On va essayer de faire le point. Oui. Vite, vite. Hein. Voilà, ça fait le point. Après, je vais vous montrer derrière. Voilà. Ça, c'est l'archange Michael qui m'a parlé quand tu m'as dit de le faire. C'est d'abord lui qui m'a protégé. C'est parfait. Alors il y a plusieurs feuilles, il y a même il a marqué que Jean y pensait trop négativement et que c'est ça qui démolissait tout. Ça c'est un travail à faire vous deux, comme je vous ai expliqué tantôt. Non, parce qu'il voit pas ses enfants. Parce qu'il voit pas ses enfants. D'accord. On peut regarder l'autre côté, c'est tout. Oui, l'autre va rien comprendre. Mais je veux bien vous faire l'écriture automatique. Je vais aller faire un tour dans la salle de bain, si vous le permettez. Oui. Ok, c'est parfait, Myriam, merci. Je t'en prie. Voilà, donc Augustin m'a dit que. Est-ce que. Jean est en train de me faire subir que lui m'a fait. D'accord. Tu comprends? Mmh. Michael, il est là pour me protéger. Il a dit de dire à Jean que s'il continue comme ça, ça va être mal. Mal. Mmh. Donc ici, on est à la salle de bain. Ouais, je couperai. Enfin, que. Faut que rien. Je crois. Bah non, ouais. Je passe devant, je m'excuse. Ouais, non, vas-y. Bah. Il y a quelqu'un dans la salle de bain? Je suis sûr qu'il y a quelqu'un aussi dans la salle de bain. Oui, avec le port de l'appareil personnel. T'es pas caché? Il se cache hein, avec toi, et qui va se montrer. Après, ouais. Et après, il a peur. Parce que j'ai toujours dit non. Mm-hmm. Parce qu'il m'a donné. Ou alors, soit il est sous du monde, ou alors. C'est démoniaque. C'est un. Pas démoniaque, un esprit au cœur, voilà. Mais comme tu as eu ceux de la cave, ça se peut, comme tu dis, la liaison aussi. Enfin bon, maintenant. Enfin voilà, on va faire la vérification. Ben, écoutez les amis, voilà, on va pas aller beaucoup plus loin. Mais ça ne te dérange pas que vous me filmiez pendant que... Non, on va faire une séance d'écriture. Oui. Pour ça, vous allez voir comment Myriam procède en tant que médium. Et après, on va ne plus trop tarder et on va faire la purification voilà. De l'étage. Et de la cave. Le bas et la cave. Ok. Donc voilà. Vous avez vu la kinette,
Comme je vous avais promis, je ferai un tuto sur le montage, les programmes et tout ce qui s'ensuit. Et alors, vous avez vu, c'est fonctionnel à 100%. Donc, simplement moi, j'ai un petit souci avec le programme pour pouvoir enregistrer l'écran. Mais ça, c'est momentanément. C'est momentané. Ça va être réglé demain, ça sera fait. Et alors, ben voilà, les autres, pour les autres enquêtes, ça sera nickel. Enfin, voilà, j'en suis déjà super content. Oui, c'est du bon. Et alors, moi, je suis super content de vous aussi. Hein. Franchement. Bon matériel. Je suis content. Eh ben, on va procéder à l'écriture automatique avec Myriam. Oui. Ok. On y va. Donc voilà, ici je vais vous faire une petite écriture automatique. C'est pas donné à tout le monde. Bon, j'ai fait ma prière de protection pour nous et parce qu'il le faut, même en écriture automatique, que ce soit les cartes ou autres. Voilà, je vais commencer. Mais moi, c'est ma manière à moi de faire. Moi, je tiens bien le bic parce qu'il y en a qui tiennent le bic comme ça. Mais moi, non, c'est pas ma manière de faire. Donc, j'attends, je demande. Voilà, je demande que quelqu'un qui intervienne. Sois poli, s'il te plaît. Je n'ai rien demandé. Tu pars. Tu pars. Tu pars, c'est tout. J'ai fait venir ces gens-là justement pour te mettre dans la lumière. Tu pars. Oui, c'est ça. Allez, tu pars, tu nous laisses tranquille. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait dire quelque chose pour Luigi? Le papa de Luigi, il est là. Ton papa, il me dit que tu as payé une belle petite voiture quand tu étais enfant, une voiture noire. Tu avais reçu un cadeau. Aucune idée. Tu te braques. Il me dit que c'est quelqu'un, tu te braques. Oui, toujours. Là, tu es en train de faire barrière avec lui, c'est ce qu'il me dit. Hein? Non. Mais tu te braques. Attends. Mon nom, c'est un surnom. Son nom, c'était un nom de quelqu'un d'autre. Comme vous, il dit que c'est un nom, un prénom que quelqu'un qui s'appelait déjà comme lui. Grand-père, c'est un grand-père qui me parle. Possible. Oui, il dit, tu le sais. Non, je ne sais pas. Oui, il parle d'aviation. Tu sais, aviation. Peur. Pas toi, hein? Hein? C'est ton papa, hein? Oui. Il parle d'un archibald. Retiens tout ce que je te dis, hein? T'inquiète pas, j'ai une bonne mémoire. De m'en tenir un peu. Attends. T'as cogné le point. J'ai toujours cogné le point. Depuis qu'il est parti. Ah, il est là, hein. Je te le dis qu'il est là. Hein. Attends. Hein. Attends, je... Il te l'a fait aussi une fois. Oui. Il te demande pardon si tu es d'accord. Bien sûr. À moitié. À moitié. À moitié pardon. À moitié pardonné. Faut que moitié pardonné, il a pardonné. Mais c'est ce qu'il dit, à moitié pardonné. Il dit à cause du caractère divergence. Oui.
vous n'avez pas trouvé la solution qu'il fallait. Vous étiez sur un truc. Non. Vous êtes emporté. Nous deux ? Emporté. Il me parle d'un coup de poing. Emporté. Une fille. Il parle d'une fille. Là, je parle. Hein. Je sais pas, c'est peut-être pour lui une fille. J'en sais rien. Je sais pas. Mariage. Oui. T'es marié avec Mumu ? Bah oui. Là. Attends, parce qu'on parle de lui. Attends, hein, laisse-moi finir. Monsieur, il y a un A hein, dans son nom. Hein. Oui. Il y a un A, hein, c'est bizarre ça. Al, al, c'est bizarre. Il dit que tu mens beaucoup. Je ne mens jamais. Ah, avant. Même avant. Si, avant, oui. Dans la période de 10 ans à 16 ans. Obligatoire de mentir. Comme tous les enfants. Non, non. Non, hein. Dans la période qui me dit de 10 à 16 ans. Moi, je peux rien. Hein. Je peux lui demander, moi. Oui. Papa, si t'es là, à quel âge? Quel âge j'avais quand tu es parti? 1-7. Non. 17, hein? 1-7-17. Non, c'est pas mon papa. Dis pas ça, dis pas, c'est pas ton papa. Non. Je vais te poser une question, c'est entre nous deux. Cancer, il parle d'un cancer. Non. C'est entre nous deux, cette question-là, si tu es là, papa. La dernière chose, la toute dernière chose que tu m'as demandé, c'était quoi? De faire mettre de l'ordre. De faire mettre de l'ordre. Non. À qui que je parle ici? Tu peux partir? Non, tu pars. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut me parler, mais sérieusement, qui vienne. Mais ça, je sais. Ça, je sais aussi, de toute façon, on s'en fiche. Le groupe, il va se transformer. Je peux avoir le papa. Quoi? Ouais. Pourquoi t'as fait ça? Mais tant mieux. Mais il va se reformer, hein. Si. Le papa de Luigi, il est là? Il est encore là, c'est Augustin. Il est encore là, c'est Augustin. C'est lui qui prend le chose. Augustin, tu me fiches la paix. Je t'ai dit pardon. Tu vas partir maintenant, c'est trop tard. Moi, je t'en ai, il me dit, tu dois dire argent, je l'emmerde. Ben, lui aussi, je suis désolée. Hein. Moi aussi, je t'emmerde. Voilà. C'est lui qui fout la merde. Tu arrêtes maintenant. Demande-lui qu'est-ce qu'il veut exactement. Tu veux quoi, Augustin, exactement? Ben oui, je t'ai mis dehors. Pourquoi? Oui, j'aimais pas, exactement. Je l'ai mis dehors parce qu'il est alcoolique, je l'ai gardé pendant 7 ans et il m'a tabassé et il se droguait en même temps. Je suis désolée, tu dois partir, tu dois me lâcher là. Non, pas maintenant, oh, ça, on verra ça. Là, t'es mal barré avec moi, je suis désolée. Il ne tient pas ses promesses en plus. Non.
Non, parce que je sais que c'est toi, parce que j'ai reconnu tes yeux bleus quand je suis rentrée dans cette pièce-là. Je demande à l'archange Michael d'écarter cette entité-là de moi. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un de bon qui pourrait venir parler ou dire quelque chose à une des personnes qui est à table ici, s'il vous plaît? Pour pas que ça dure une éternité, merci. T'es sûr, c'est toi, maman? Oui, je sais. Je ne dirai pas plus. Maman dit que t'as le béguin. Pour qui? Comme ça. Que t'étais... Tu me trouvais mignon. Oh, menteur. Arrête, mais sois pas moi, c'est rien, ça. Jean, calme-toi. Non, c'est rien. C'est normal, béguin. Mais c'est rien. Maman, elle parlait comme ça. Non, je t'assure, j'ai pas le béguin. Non, c'est... Comment je t'expliquais? Je t'aime bien. Voilà. Ouais, mais maman, dans le temps, il parlait de béguin. Il t'apprécie. Ouais. Oui. Oui, mais maman, dans le temps, c'était béguin. Il avait béguin. Ouais. Je veux pas. Je veux pas toi. Voilà, justement. Non. Coupé. Stop. Non. Pose. Fifi, t'as pas une question? Une sensée, hein. Est-ce que ma grand-mère est là? Elle a beaucoup souffert, ta grand-mère. Ben oui, ma maman est partie avant elle. Ah ben je ne savais pas, hein. Attends, ouais. Oui, elle a ben beaucoup oui. souffert. Ma maman est partie avant elle. Oui, donc... J'ai essayé de rentrer en contact avec elle, hein. Alors, mais elle a beaucoup souffert. Quelqu'un se met en travers. J'aurais bien voulu savoir qui. Attends. C'est qui Léon? Léon? Ouais, il y a un Léon. Hein. Grand-père Léon. J'ai pas connu mes grands-pères. C'est ça qui est embêtant. Hein. C'est... J'ai pas connu mes grands-pères. Vous pourriez pas dire quelque chose de est-ce maintenant que, est-ce que c'était le mari de Gustavine? Ça dit oui. Eh ben c'est le grand-père de ma grand-mère. Mais ouais, forcément. Ça dit oui. Mais je ne l'ai pas connu. Il n'était pas grand. C'est le mari de ta grand-mère. Il n'était pas grand. C'est le mari. Il n'était pas grand. Oh, je ne sais pas, je ne l'ai même pas vu. T'as pas vu? Non, j'étais même pas né. Qui est mon ange gardien? Raphaël. La maman m'avait dit ma grand-mère. Raphaël. Vous avez encore quelque chose d'important à dire? Attention, il ne faut pas ce que tu dis, mais pense-moi. Ils disent que vous ne croyez pas ce que je dis, mais vous penserez quand même à moi sur certains points qui vont revenir. Sur certains points. Myriam, Jean a faim. T'as faim? Il a toujours faim. Non, mais allez, franchement. Non, pas vraiment. Des biscuits. Non, pas vraiment. Bon, oh, c'est des petits mots ainsi. Tartine. Petite question. Oui, vas-y. Est-ce que, où est-ce que je travaille maintenant, est-ce que je vais avoir un contrat définitif? Ils disent qu'il y a des problèmes d'organisation là-bas. Oh oui, oh, ça c'est sûr. Parce que ça écrit mal, je le sens. Ça veut dire que tout est... Quand ça marque ainsi, ils gèrent mal l'argent. L'argent est mal géré. Ouais, Non, en définitif, non. Non? Non, non, je le sens dans mon bras, ça dit non. De toute façon, ça dit non, ça ne marque pas bien. Ça, quand tu vois que c'est écrit comme ça, c'est malheureux, c'est que... Tout... Et je travaille dans quel domaine pour voir? Attends, donc je vois, il y a beaucoup de papier, carton, c'est bizarre. Papier, carton, hein. Papier, carton, pliage, secousse d'allage. Non. Bâtiment. Ah, bâtiment, oui. Bâtiment, voilà. Oui. C'est bâtiment. Oui. C'est le bâtiment. On fait les ourdis, hein. Ah oui, ça correspond. C'est le bâtiment. En fait, tu te laisses faire, quoi. Ouais, lui, oui. Tu dis amen. C'est ce qu'on dit. Au travail? Ouais. Bah,
On se sert beaucoup de temps. Tu sais, quand t'es intérimaire, t'as pas le choix pour essayer d'avoir ton CDI. En tout cas, on vous remercie. Il n'y a plus rien d'important. T'as pas connu un Gustave? Tu sais comment j'ai acheté Gustave? Oui. Oui, c'est qui? Mon voisin, dans le temps. Oui. J'ai un Gustave. Oui, j'ai connu un Gustave. Avec ce petit béret là, sous tête. C'est ça. Oui, oui, je l'ai. Il parle un peu pas toi. Macho, je sais plus comment. Comment il dit? Wallon de Picardie. Tu vois, justement, pas. Oh, il était pas loin de ses 90 ans, ce vieil homme. Ouais, c'était un bon homme. Alors J'ai un Gustave. Voilà. Et moi, ils n'ont plus rien à dire sur moi. Gus Gustave. Ah, attends, tu vois, les défunts, ils viennent à chacun à leur tour. Ah, ouais. Il y a des moments, il y a du mélange. C'est normal, il y a beaucoup de défunts qui veulent s'exprimer par là, l'un, par là, l'autre. Bah ouais, parce que moi, j'ai déjà essayé de rentrer en contact avec ma grand-mère. Parce qu'apparemment, mes parents, ils sont. Il y a Monique du côté chez toi. Monique? Oui. C'était l'ex-petite copine de mon père. Décédée? Non, ça, j'en sais rien. Elle buvait beaucoup, 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 beaucoup. Hein. C'est possible. Ça, avec des Syriens, c'est possible, c'est dur. Hein. Mais tu vois, Gustave, c'est bien, je l'ai eu parce que t'as. En fait, t'as laissé une porte ouverte. Tu vois ce que je veux dire? Que le channeling, c'est ça. Tu refermes pas tes portes. Ouais, moi, je suis fort fermé. Voilà. T'as vu? T'as eu comme ça au moins, t'as eu quelque chose, Gustave. Ouais. De mon père. Et il roulait combien à vélo, hein? Ouais. Ouais, il me le dit. Ouais. Tu vois? Ouais, je m'en rappelle comme si c'était hier. Pourtant, ben oui. Attention, tu parles de. Donc d'abord. 55 ans en arrière. Ah, tu t'imagines, hein? Donc d'abord, c'est que ces personnes-là pensent toujours aux gens qui vivent. Oui, ben ils font coucou, là. Ils font coucou. Ils disent des choses qu'ils ont connues pour montrer que c'est vrai. Mmh. Ouais. Voilà. Et toi, il y a Monique. Elle boitait d'une jambe. Elle avait mal à une jambe. Je sais pas si elle a fait une gangrène ou quelque chose ainsi. Il y a eu quelque chose ainsi. Tu vas être opéré du genou. Lequel, le gauche ou le droit? Ben celui que t'as fort mal. Ben j'ai mal les deux. Eh ben celui que tu as plus fort mal. Ben, celui. T'as la plus ouais, c'est de gauche. Il est plus gonflé. Tu vas avoir une opération. Voilà. En tout cas, je vous remercie quand même d'être venu. Et alors, pour toi, Augustin, tu devras partir, c'est tout, quoi. Voilà. Je t'ai donné la chance ici. Voilà, c'est tout, quoi. Au revoir. À bientôt. Je ne sais pas si je le ferai aussi tout. Hein. Des gens, garde bien Myriam. J'ai bien l'intention. C'est Michael. J'ai Michael dans mon manche. Gugus. Voilà. Donc moi, mon ange gardien, c'est pas ma grand-mère. C'est Raphaël. C'est normal, hein. Donc chaque fois que je vais en manquer tout quoi, Raphaël est avec toi. Alors. Pardon, voilà. Quand t'as... Pour les maladies, je sais bien que Raphaël, il est pour les maladies. Gabriel est pour les maladies. Michael, lui, il vient pour protéger tout ce qui est ondes négatives et tout ça. C'est pour ça que tu demandes une protection comme moi j'ai fait. J'invoque l'ange, donc Michael, qui me dépose son manteau bleu indigo sur mes épaules. Et j'ai dit pour vous aussi, et de nous entourer d'une lumière violette mauve spirituelle. Mm-hmm. Et d'éloigner les esprits bas astral et les malicieux, quoi, les malins et tout. Voilà. Et je te remercie, Michael, et à tous ceux qui sont venus. Merci beaucoup. Voilà, je te dis, l'écriture automatique, c'est tout des mots. Il y a beaucoup de défunts, tu vois. Il y en a beaucoup qui veulent dire des choses et tout. Hein. Ben il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je ne dis pas si j'aurais été tout seul avec toi, on aurait pu avoir plus de choses. Peut-être, oui. C'est comme ça. Hein. Ben en fait, tu fais la même chose que du côté de Jonathan, sauf que c'est avec une planche. Ah non, planche, non. C'est pas de la Ouija. Hein. Non, la planche, moi je sais pas. C'est pas Ouija. C'est une planche nette. C'est une ronde avec les nombres et les chiffres en rond.
C'est du spiritisme, c'est bah pas, oui. C'est pas de Ouija. C'est tout. Un verre, n'importe quel verre. Bah oui, c'est... Avec les doigts. D'ailleurs, si jamais vous pas, regarde sur ma chaîne, le sanatorium. Oui, oui, oui. Le sanatorium. Le sanatorium. Vous le faites. Là, on fait une séance. Ah, je vais regarder, je regarde. Et alors, c'est vrai que ça, c'est véridique. Quand tu penses quelque chose dans ta tête, directement, ça répond à ta question. C'est pas de la télépathie, ça, peut-être. Oui, ouais, parce qu'ils savent voir. Ouais. Ils m'ont même dit que si on décide, par exemple, il y a 2-3 jours, on a décidé de venir chez toi aujourd'hui. Eh bien, les entités qui sont chez toi sont déjà au courant. Qu'on arrive. Qu'on mais ça, je sais. Qu'on a l'arrivée. Je sais. Un jour, je vais leur faire un piège. Non, mais c'est vrai, hein, il nous l'avait expliqué, le monsieur, dit, quand même. Ouais, je vais. Il dit, hein, le monsieur. Ouais. Et ici. Le monsieur nous l'avait dit, hein, qu'ils étaient au courant en avance et tout. Ah ouais, ils sont. Ouais. Et ça m'embête avec le prénom, ma maman, là. Dommage. Ma maman. Que je vais demander mon premier prénom qu'elle devait me donner, le petit papier que je vous ai donné. Et bien voilà, la purification de l'appartement a été faite. Ça a été une purification comme dans le premier épisode. Maintenant, on va faire la purification de la cave. Donc Luigi est en train de faire une croix en gros sel pour faire barrage. Et on va s'enfermer. Et on va s'enfermer. Voilà, on peut y aller. Voilà. Donc je vais laisser la lampe pour que Luigi. Besoin, lui dit, je vais fermer la porte. Voilà. On va faire ça. On va faire ça dans les règles de l'art. Vous devez quitter ces lieux dans le monde. Vous êtes dans le monde des vivants. Vous devez quitter ce lieu et rejoindre votre monde. Laissez les gens. En paix, dans toutes les maisons occupées, nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. Quittez ces lieux, vous n'êtes plus chez vous, vous n'avez pas le droit d'être encore ici. Quittez le lieu par les ouvertures, sortez d'ici, rejoignez la lumière, vous n'avez rien à faire ici, nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quittez ce lieu, vous n'avez rien à faire ici. Votre vie est finie ici-bas. Remontez, quittez ce lieu, rejoignez la lumière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La prière du Saint-Michel l'Archange. Saint-Michel l'Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours, soyez contre la perfidie, contre les embûches du démon. Attention, Luigi. Que Dieu exécute sur son empire, que Dieu exerce, pardon, sur son empire, nous le demandons. J'ai la même chose que la dernière fois. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, amen. Quittez ces lieux, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Quittez ces lieux, vous n'avez rien à faire ici-bas. Votre monde est ailleurs, pas ici. Vous devez quitter absolument ces lieux, c'est un ordre. Sortez d'ici. Vous n'avez rien à faire ici. Vous n'avez rien à faire ici. Laissez ces gens tranquilles, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Rejoignez la lumière. Rejoignez la lumière, sortez par les ouvertures. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Amen. Sortez de ces lieux, quittez ces lieux, suivez-moi, je vous conduis vers la lumière.
nom du Père et du Fils. Saint-Esprit, Amen. Sortez par cette porte. Sortez. Vous n'avez rien à faire ici. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est grand. Descendu, plus rien à faire ici. Sortez d'ici. Sortez de ce bâtiment. Il y a des gens vivants. Vous n'avez rien à faire ici. Vous êtes d'un autre monde. Quittez ces lieux pour rejoindre votre monde. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez fait votre temps ici. Maintenant, vous devez partir dans la lumière. Vous n'avez rien à faire ici. Mon Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Du Saint-Esprit. Amen. Je me sens apaisé. Je vais faire la prière. Saint-Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la perfidie des anges du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire. Nous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, refoulant l'enfer par la vertu divine, Satan et les autres esprits malins qui errent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Nous nous perdons du Fils du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, si vous voulez marcher, je me sens mieux. Quelqu'un qui passe le sel, qui a de mauvaises intentions, en fait, c'est une tradition qui date de milliers d'années. La croix de sel, en fait, empêche les mauvaises personnes, mauvaises âmes, les mauvaises langues, de passer le sel. J'ai fait l'expérience chez moi et je vous assure que ça marche. Donc, si vous avez quelqu'un dont la confiance est très limitée, faites une croix de sel sous paillasson avant l'entrée et vous verrez. Si la personne hésite à entrer ou ne rentre pas, c'est une mauvaise personne. Voilà. Ok. Voilà, la purification, comme je sais le faire, est faite. Je ne sais rien faire d'autre pour le moment. Je vais changer ma méthode de purification. Pas tout de suite, je suis en train d'étudier. Pour le moment, je fais tout ce que je peux. Il va y avoir des critiques ou pas de critiques. Luigi, il n'y aura pas de critiques, crois-moi. Je fais comme je le peux. Et je le fais de... Ça vient de mon cœur. Bien sûr. Voilà, c'est tout. Bien sûr, ça vient de ton cœur. Eh ben voilà, les amis. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes passé ? Oui. Je vous en prie.